Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Watch Dogs 2, je suis en train de chercher comment je suis censé monter mais... Oh, je viens de comprendre. Oh, c'est débile. Hop. Hop, on baisse à fond. On accélère. J'ai déjà fait des choses de genre... Hein. Alors, il va falloir que je sois sur le côté, j'imagine. Ou alors à l'avant, attendez. Ah, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Bon, c'est pas grave. On va se mettre sur le côté. Crac! Pas encore. Allez! On sait tous les deux que tu peux le faire. Je l'ai déjà fait en live. Mais merde! Allez! Mais casse-toi aussi! Hop, voilà. Allez. Oh mais je l'ai vu faire. Je l'ai déjà fait, chers amis. Ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même monter dessus. Ah, je peux plus le quitter. Je crois qu'il a complètement bugué. Alors, trajet rapide, voilà. Il était complètement buggé. Vous voyez, la preuve, c'est qu'il s'est remis là, quoi. Et là non plus, je peux plus m'en sortir. Ah, ça y est. Il a bien voulu. Hop. On va se monter là. Hop. Ça va pas être assez haut. Mais qu'il est con. Il est débile. C'est pas possible, il le fait exprès ou il est débile. J'aimerais que tu restes dessus, mais c'est pas grave. Oublie. Ça va être un poil trop compliqué pour toi, mon ami. Donc allons dans le plus simple. Là, il veut pas. Il fait chier. Il fait chier à pas vouloir. Ou alors, tout bêtement... C'est ça. Je vais monter dessus le temps que je le contrôle. Hop! Et bah non. Merde. Alors je suis désolé, c'est parce qu'en fait j'y vois rien. Et vous non plus, je présume. Ce qui est un état de fait assez intéressant. Non, j'aimerais que tu la gardes, la palette. Merci. Hop. Voilà. Hop, tu vas monter là-dessus, parce que je sais pas s'il va pouvoir monter sur la palette d'ailleurs, en fait, vu qu'on a bien vu qu'il restait pas dessus, qu'il faisait que se projeter de l'autre côté. Allez, monte. Bouffe les branches au passage, hein, y a pas de souci. Ok, c'est bon, on a enfin réussi à monter. Et du coup, j'ouvre ici. Ah!
Hop! Et on est bon. Crac, tout simplement. Hop! Parce que je pouvais pas le hacker à travers le mur en fait. Chose un petit peu débile, faut bien le reconnaître. Ok, on l'a, mais on n'a pas suffisamment de points. Ok, parfait. Bon, on avait donc réalisé dans le présent épisode, chers amis, la mission suivante de Parole d'Homme. On va aller faire celle-ci, du coup. Faut rentrer tout simplement à la maison. Ok, bah écoutez, on va se mettre directement ici, puis on va y aller à pied. C'est pas grave. Ok. Histoire qu'on avance un petit peu dans les épisodes, dans l'histoire principale aussi, hein. Ok, non, c'est pas par là. Bonjour madame. Au passage, vous avez promis des prostituées patéties putes, hein. On va en trouver, hein, vous inquiétez pas. On va en trouver. Je m'inquiète maintenant dès que je vois une personne assise, hein. Je préfère être prudent. Ok. Et vous battez pas les mecs. Ok. Ok, voilà, j'en ai écrit un truc sur mon PC au passage qui pourrait nous intéresser un peu plus tard. Je sais pas si ça va trouver quelque chose d'intéressant, mais. Ah bah oui, mais faut dire, fallait pas que tu t'arrêtes là, mon pote. Hein. Je veux dire, moi je fais mon boulot, hein. Bonjour! T'es mignon comme ça, dis donc. T'as une jolie garde-robe, à mon avis. Mal ce que t'as fait à Junior. Je crois qu'on aura bientôt mérité les vacances, ça te dit? J'ai toujours voulu nager avec des dauphins. Non, des raies! Des raies venimeuses. Oh, ce serait classe! Merde, j'en ai pas trouvé du coup, ok, bah tant pis. Carton rouge direct, mon pote. T'as qu'un seul carton rouge alors. Du coup, ça sera les dauphins. Non, Marcus, on peut pas leur faire confiance à eux non plus. Ah bon? Pourquoi? Allez, casse-toi. Un parc aquatique qui a foutu des caméras sur tous les dauphins. Parce que la nuit, il y avait des meurtres. Eh ben, ça a pas loupé. Le film, c'était un putain de film d'horreur. Les dauphins, c'est des salopes. Les dauphins, c'est des salopes. Non, mais or, dauphins, c'est pareil. Ils ont des nageoires, ils font des bruits chelous, genre. Kaka. Oh la gueule. Les ajustements d'angle nécessaires à la transmission des données par les paraboles. Et je peux vous aider? Non, ça va. What? Je suis paumé, moi. Vas-y, hop, merci. Salut. C'est marrant, en soi, ça me rappelle un petit peu la map de GTA V. Je vais me tromper. Hop! C'est chiant quand il y a du trafic. Tu perds des points à botnet pour rien! Je m'étais juré de pas refaire ce rire. Pas tant que j'étais malade. Mais il a fallu que je le fasse. Ok, on y est presque. Comment je suis censé grimper? Ah, là.
Ok. Et ça, je me doute que quand je te demande de faire un de me filer un coup de main, t'es jamais dispo. Ok. Et donc, ils ont même des snipers. Excusez-moi, chers amis, franchement, ça m'énerve. J'en peux plus de cette putain de maladie de merde. Ok, il va y avoir du boulot, hein, je veux pas dire, mais là. Déjà, comment je suis censé rentrer là-dedans? Par la porte. Même pas. Ok. Il va pas y avoir 36 000 solutions différentes, hein. Ok, c'est parti. Hop. Alors déjà, le point, c'est bon. Plus qu'à aller chercher l'argent maintenant. Il passe et il rapace. Hop. Crac. Tentons quelque chose. Voilà. Alors c'est con parce qu'il va se faire rect lui. Le terminal par feu, celui qui est au-dessus. Mais c'était mon jouet de Noël. Salaud, je vais tous vous buter. Je vais tous vous buter. À pas faire un pli. Vas-y, qu'on rigole. Boum, ça t'apprendra. Ok. On devrait pouvoir ressortir le jumper. Hop. Wouhou! Il va presque trop vite.
C'est bon. L'argent. Donne-moi l'argent. Oui, de l'argent. Vas-y, déverrouille-moi ça, déverrouille-moi ça, déverrouille-moi ça. C'est bien. Ça, c'est un bon gamin. Ok, la suite. Là, vous avez pas l'air dans la merde, les mecs. Hein. Là, vous êtes mauvais quand même. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... Hop. Mais non, t'as rien vu. C'est par où? C'est par là. Et la porte est ouverte. Oh oui, sors de la pièce que je ferme. Oh oui. Et voilà. Pour l'instant, je suis tranquille. Ok. Salut les filles. Hop. 3, 2, 1. Et c'est bon. Objectif atteint. Atteindre le sommet. Ça, c'était pas prévu. Et c'est où le sommet ? Hop! Personne n'avait vu venir ce coup de génie. Hein. Personne! Le problème, c'est que ça mène à nulle part en fait. Oui, bonhomme, t'es enfermé au travail. C'est la fête. Bienvenue à la fête, camarade! Oh. Ah, pourquoi? Bah, pourquoi? Hop. Voilà. Voilà. C'est pas où qu'il faut que j'aille. Wouhou! Hashtag propulsion! Ça veut dire qu'il faut que je rentre dedans ou... Ah merde. Faut que ce soit à moi d'y aller. Ah ah. C'est beaucoup moins drôle d'un seul coup. J'ai tué personne moi dans le chemin. Ok, on y va. Ok. Et de 1. Ta gueule. Ok. On est bon. On est bon. On est même très bon, chers amis. C'est parti. Ok. Ça se passe parfaitement bien. Cinématique, je suppose. Voilà. Cette antenne est à moi. Cette antenne est à moi. Nous allons bientôt prendre l'antenne, chers amis. Hop.
Ok. Par principe. Par principe. Et uniquement par principe. Ok. J'imagine que t'as déjà sauté d'un avion, pas vrai? Mec, j'ai même crashé un avion. Et t'as déjà fait de l'escalade? Bah évidemment. T'as couru au milieu des taureaux? Ah non, non, t'es ouf ou quoi? Ah, je le savais! Mais c'est quoi ton problème avec les animaux? Je les emmerde, les animaux! Ils sont en train d'évoluer comme des bâtards pour nous remplacer dans la chaîne alimentaire. Moins ils en savent sur nous, mieux ça ira. Quoi? Même le petit chien? Surtout les petits chiens, je suis d'accord. Il est con. Et normalement là j'ai accès au... Ah bah merde, j'ai pas accès aux deux. Donc là j'ai accès aux deux, mais ici j'ai plus rien. Sauf si je fais ça comme ça, et là j'ai accès aux deux. Je peux donc faire ça. Non, attendez. Ça. Et là-haut, j'ai accès à celui-là. Qui peut partir tout droit. Quoi? C'est débile si je peux pas monter suffisamment haut. On va bien voir. Ok. Voilà. Ok. Et c'est bon. Réseau interne déverrouillé. Crac! Il est sympa le bâtiment là-bas. Qu'est-ce que je suis censé voir? Oh putain, c'est une grosse caméra! Ah non, c'est une grosse antenne en fait. D'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Non, c'est simplement une antenne en fait. Ok, pour la binouze, pourquoi pas? Directement chez eux? C'est peut-être pas la meilleure des idées, hein. Ah d'accord, normalement je les ai tasés. C'est pas grave. Ne vole, petit nuage, c'est joli. T'es sûr que tu l'as bien configuré? Oh, ça va, ouais. Je te demande pas si t'as bien fait ton taf, moi. Si? Hé, fermez-la, j'y suis. Wouh! Et la journaliste qui est avec eux. C'est con, hein. C'est con, c'est con. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Vous pouvez espérer que les multinationales vous traitent bien. Ou vous pouvez prendre le problème à bras le corps. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ah, oh, c'est génial. T'as pris un sale coup, mon pote, ça arrive. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite. Boum, dans ta gueule. Ouh. Ce que t'as à faire, c'est envoyer une lettre d'excuse à mes avocats pour avoir levé la main sur moi.
C'est un jeu dangereux quand même, hein. Heureusement qu'il est extrêmement puissant, parce que sinon... Je parle du méchant, hein, puissant en termes de d'influence. Parce que sinon, ce genre de jeu-là, honnêtement, on le gagne pas. Hein. Ok. Hop là. Oh. Ok. Bah on est bon. On est où dans l'épisode aussi, chers amis? Merde, il y a un dialogue. Hop. Ah, ok, j'arrive. Bon, bah écoutez, chers amis, du coup, on est à 27 minutes d'épisode à peu près. Donc, moi... Arrête d'ignorer mes emails, tu étais là avec moi, t'as entendu ce qu'a dit Cole, il a avoué qu'il aimait ses enfants, je me fiche de qui sont ses amis chez Home, il faut qu'on aille voir la police. Qu'il aimait les enfants. Ouh, c'est à moitié dégueulasse. Les gars, j'ai une piste sur un pédophile potentiel qui bosse pour Home. Oh putain de merde, Big Brother c'est un gros pédophile. Et ben voilà pourquoi on voulait s'intéresser à Home. Bon, alors c'est qui ce mec? Cole, machin truc, j'ai pas son nom de famille. On a sûrement la liste des employés de chez Home quelque part. Alors... Cole Lang. Je vais le retrouver, on va rassembler... Lang. Voir le genre de personne qu'Home cherche à protéger. Ok, bon. Bah écoutez, moi c'est sur cette mission-là qu'on va se barrer la prochaine fois, je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.